Salut, station fréquence, les Monsieur 13 à côté à vous tous de la part de Dandy 33. Alors, est-ce qu'il y a du monde ce matin là sur le QSO du canal 27? Ah putain, je l'ai pas vu venir celle-là. Là, tu m'as eu en beauté, là, Eric. Les bonnes sont 13,51, toi. Eh oui, toi, déjà, attends que je calcule, eh ben 35 ans. C'est ça, hein, je me trompe pas. Hein. Avec un 5 devant et un 3 derrière. Je suis trois coups. Eh bien, merci à toi. Eh bien, oui, une année en pousse une autre. Ouais, je t'en prie. J'espère que tu vas bien. Et puis que tu vas fêter ça, voilà. T'as envoyé un petit message sur Facebook aussi, voilà. Et salut à toutes les associations qui parlent écoute, voilà. Ok, d'accord, j'irai voir ça, merci. Alors, prêt, motivé pour le salon de Marennes, là, le 29 juillet prochain. Pour moi, il n'y a pas de problème, je suis au taquet. Hein. Non, je croyais, je laissais un blanc pour voir si d'autres stations allaient reprendre le micro, puisque bon, il y a quand même du monde. Michel est sur le 555, donc il n'a pas dû se rendre compte qu'il y avait du monde de ce côté-ci. Bon, on verra bien. Les autres stations là, qui sont derrière la porte, via le web SDR par exemple, les 2013-51 à vous tous, de la part du Sud-Ouest. Et normalement, je devrais être au pro là. Et changement de programme, mercredi, ils m'ont fait bosser. Du coup, ils m'ont dit, bon ben dimanche repos. J'ai beau leur dire non, je garde tout, mais ça ne fait rien. Quoi. Ils m'ont quand même mis aujourd'hui en repos. Quoi. Eh bien, dans le sens, c'est pas plus mal. Ça tombe bien, comme ça, tu vas pouvoir te faire un petit repas de ta tête avec ta moitié. Et puis, regarde le gros bisou. Alors on a le fiston et sa copine qui doivent venir là tout à l'heure là aux environs de midi quoi. Ouais voilà bon ce sera sympa quoi voilà entre nous tout ça tac. Plus, une fois de plus le bar il va être utilisé, tu devines, puisque tu connais chez moi. Ok, les 2013-51, 14, Sierra November 69, et merci à toi. Voilà, c'était un petit message là, sur le web SDR. Oui, de ben, toute façon, moi, là, c'est déjà prêt. Enfin, c'est prêt depuis l'année dernière. J'ai plus qu'à charger, et puis voilà. Hein. Ouais, ok, de Pascal. Alors, il est en vacances à partir du... Qu'est-ce qu'il m'a dit, déjà du 24, je crois. Oui, c'est ça.
Sur le sud-ouest, il doit y avoir, je pense, à moins qu'il soit déjà reparti, 14 ODR 026. C'est quand? C'est samedi. Oui, je crois que c'est samedi. Il m'a envoyé un message me disant qu'il était à Saint-Tropez-Cuzac. Donc, est-ce qu'il est encore sur le sud-ouest, qu'il est parti ailleurs pour revenir un peu plus tard? Je sais pas. Ah, il m'a semblé un truc, entendre un truc derrière, est-ce que c'est la propague, je sais pas. Oui, la station, c'était très très bref, une demi-seconde. Et en avant. Non, si ça se trouve, ça va être des bruits de propague, puisque la propague est là, de toute façon. J'ai entendu El Commandante tout à l'heure, ce 555. Lui, c'est mon repère, on va dire, au niveau propague. Hachi. Ok, les 73 également, Roger 62, ainsi que les autres stations là sur le groupe, sur le chat du WebSDR. Ok, donc, alors qu'as-tu fait de beau là ces jours-ci là? Eric? Ouais, excuse. Bah, de toute façon, pour le moment, là, on n'est que tous les deux en QSO. J'espère que Ludovic va venir faire un petit tour. Hier soir, il était au resto, donc aujourd'hui, il doit il doit certainement être au QRA, je sais pas. À moins qu'il soit du côté de... Ah, zut, en Charente. Je sais pas. Ouais, je te disais, là, depuis la dernière fois qu'on s'est en fréquence, qu'as-tu fait de beau? Ok, bon, en espérant quand même que ça aille bien, quoi. Et les cours radio-amateurs, alors qu'est-ce que ça donne? Ça doit être assez costaud quand même, non? Quoi, déjà, tout juste commencé, c'est déjà les vacances? Ah, chi! Ouais, alors, la technique, déjà la technique, ah oui, enfin, quoi que ça doit être alterné, technique, réglementation, ouais, je suppose que c'est ça, c'est alterné. Ah oui, affirmatif, à un moment donné, tu finis par saturer, hein. Non, mais c'est sûr, hein. Et autrement, sur YouTube,
Ouais, tu as une chaîne YouTube justement là d'un club rodier amateur où toutes les semaines ils font une vidéo à direct. Bon, la vidéo reste après sur YouTube, hein. Et je crois que ça doit bien à chaque fois ça doit bien durer 1 heure, je crois 1 heure ou 1 heure et demie, je sais plus, hein. C'est pas mal aussi ça. Ouais, non, mais j'imagine, hein, c'est sûr que vaut mieux y aller doucement. Qui va doucement va loin, quoi. Voilà, et puis là, faut pas griller des étapes. Hein. Là, faut être sûr déjà d'avoir bien compris. Maintenant, si le prof est excellent, ça va d'autant plus vite, hein. C'est d'autant plus facile, je veux dire. Ouais, évidemment. Puis de toute façon, heureusement, comment je vais dire ça, ouais. Si la licence radio amateur était trop facile, eh bien là, pour le coup, tout le monde, absolument tout le monde pourrait la passer, et pour le coup, ça deviendrait un peu, je pense, au bout d'un moment, la zizanie sur les bandes radio amateurs. Et il faut que ça reste quand même à comment dire, zut, je vais arriver à aligner 3 mots, moi. Faut que ça reste quand même du niveau d'une certaine élite, quoi. Parce que c'est vrai que les radios amateurs, avant tout, c'est quand même des gens d'un certain... Ouais, ce sont des élites de la radio, hein. C'est peut-être un peu flatteur, mais c'est pas à la portée de n'importe qui. Je sais que moi, c'est pas la peine. Je me voterai obligatoirement, quoi. C'est hachi. Et si on remonte à pas mal d'années en arrière, eh bien les mecs, ils devaient construire eux-mêmes leur décamétrique. Donc, si aujourd'hui ça devenait trop facile, je pense que le radioamateurisme perdrait un petit peu de son charme au niveau, justement, au niveau technique, au niveau de tout ça, quoi. Aller réparer des postes, c'est comme ça.
pour calculer avec des équipes de calcul. Ça, je trouve que c'est un petit peu décourager les gens, quoi, parce qu'à la base, après, tu prends ton micro, tu appuies sur le micro et tu parles. Hein. Tu règles ta fréquence, tu sais qu'à ta droite, et là, tu sais que ta droite en puissance, ça. Bon, connaître ça, je suis d'accord. Et après, quand tu pousses trop loin, hein, pour que tu es capable de presque donner pas les postes, c'est sûr que c'est de la base, ça, il y a des réparateurs pour ça, hein, voilà. Hein. Oui, toi qui es en train de passer la licence, je comprends bien ton point de vue largement, mais dans l'image qu'on se fait du radioamateur, eh bien, on le place à ce niveau-là justement. Et c'est vrai que enlever ça, ça serait un petit peu dommage. C'est vrai qu'on met quand même les radios amateurs, et tant mieux, c'est flatteur, à un niveau très très haut. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'eux seront reconnus d'utilité publique. Voilà. Donc si c'était trop facile, je pense pas que. Je sais pas. Et pour la conception d'antenne, ben justement, c'est ce qui fait tout l'intérêt du radioamateurisme. Là, être capable de fabriquer des antennes, de tout ça, de pouvoir expérimenter. Parce qu'avant tout, tout ce que font les radioamateurs, c'est expérimental. Donc, c'est pour ça que là, il faut quand même, c'est vrai, à un certain niveau, quoi. Voilà, enfin bon, t'as compris ce que je veux dire, quoi. Même si je comprends tout à fait largement ton point de vue, c'est sûr que là, je voudrais passer la licence radioamateur là aujourd'hui. Je me la montrerai, c'est sûr. Hein. D'accord. Ah, oui, ouais, je crois que notre petit Ludovic est arrivé, 73 Ludo. J'espère que tu vas bien depuis la dernière fois. Voilà, je suis un peu perdu de réunir, je te salue, je te retourne le micro. Ok Ludovic, les mains sont 13:51 toi et... Alors le restaurant hier soir, c'était bon? J'ai un peu de mal à te sortir là, de mon côté. Hein. C'est vrai que là, j'ai un peu de QRM, là, c'est un peu difficile. Hein. Bon, apparemment, si t'as le micro ce matin, c'est que bon, c'est bon, c'était comestible. Hachi. Voilà, Eric, tu peux me faire le QSP, s'il te plaît? Ah, apparemment, il t'a monté un petit peu, Ludo. Ben oui,
Ouais, j'ai 2 points, voire 2,5 points de QRM. Et bon, évidemment, Ludovic m'arrive plus haut, mais le bruit du QRM est suffisamment fort pour le couvrir en partie. Ouais, t'arrives à 20 ans quand même, moi, Rudy, ça va? Ouais, ça va. Bon, toi, tu m'arrives à 5, à Santiago de 5, donc ça va, tu écrases le bruit du QRM, donc c'est bon, ça passe. Donc le vendredi, oui, moi je serai dès le vendredi 28 là-bas. Daniel aussi il sera là-bas dès le vendredi 28. Il y a aussi Hervé 14 ODR 026 qui arrivera le vendredi aussi avec son camping-car. D'ailleurs, il doit se balader là, je sais pas, quelque part sur la région ou ailleurs. Je sais que samedi ou vendredi, non, peut-être plus vendredi, je sais plus. Il était du côté de Sainte-Reine-Cuzac. Après, là, je sais pas. Peut-être qu'on verra d'un seul coup apparaître dans le QSO tout à l'heure ou je sais pas. J'ai oublié quelque chose. Ah bah tiens, j'ai un bar à la maison. Ah tiens, j'ai des bouteilles à vider là pour tout à l'heure, là pour midi. Oh putain la vache, le QRM est monté à 4. J'ai compris le début mais pas la fin. Eric, tu peux me faire le QSP? Là, ça va un peu mieux, je t'ai entendu là. Ouais, Ludovic, là, c'est mieux passé. Tu peux chanter, vas-y.
C'est dans la boîte, Ludovic. T'es grillé, c'est dans la boîte. Oui, oui, on entend un parasite sur la vidéo, là, à 4 minutes de la fin. Ah, chie trois coups. Et oui, parce que je crois qu'il y a, je sais pas, 34, 35, un truc comme ça, il me semble, j'ai pas trop regardé. Mais hier, paraît-il que c'est ce qu'il y a eu. Hein. Ouais, hier, ça allait un peu parce qu'il n'y avait pas trop de. Il y avait du vent, il y avait quand même un peu de vent, donc ça allait quand même. Mais c'est vrai que dans les baraques, c'est un peu fermé, hein, parce que sinon, ça monte vite. Ouais, ouais, affirmatif. Ouais, mais bon, il a ce qu'il faut avec lui, hein, pour se rafraîchir. Enfin, se rafraîchir. Dans son camping-car, il emmène son bar avec lui. Hachi. Désolé, ce coup-ci, c'est moi qui n'ai pas compris. Ok, en plus, ouais, j'ai bien compris, Xavier, dans ma tête, ça sonnait Hervé. Hachi, au fait, Xav, bon, c'est vrai que j'entends rarement de mon côté. Certains, vous avez des nouvelles de lui? Ok, bon, surtout qu'en plus cette année, grâce à 14 ODR 026, la publicité pour le Salon de Marraine a été doublée, hein, puisqu'elle est même apparue chez plusieurs magasins en ligne, sur Le Bon Coin, sur d'autres sites également. Alors si déjà les années précédentes, c'est difficile d'éviter la pub pour le Salon de Marraine, cette année, c'est encore pire. Hop là, je te repère un petit peu à nouveau là. Bon, comme quoi, là, ce matin, c'est vrai que la radio, là, c'est pas évident. Hein. Alors imagine si on était en AM, comme certains nous disent de le faire. On est sur le canal 27, donc on doit être en AM. Eh ben là, c'est même pas la peine d'y penser, quoi. Pour le coup, là, on s'entend pas du tout, là. Attends, je regarde. Alors, je pense que là, de mon côté, le QRM, il doit être local, je crois. Hein. Puisque là, je suis allé voir, là, en terminaison 0, j'ai le même niveau de QRM. Donc, de ton côté, je sais pas, c'est comme tu veux. Et on va où tu veux, hein, mais là, du mien, de toute façon, niveau QRM, c'est pareil. Excuse-moi, là j'ai pas compris là. Wow, le QSO s'exporte, Hachi. Non, pour ma part, j'ai pas du tout les coordonnées, j'ai rien là, Eric. Donc,
Maman, please. Enregistré Nord Italie. Ok, ouais, j'ai réussi. J'ai entendu là, le Ludovic. Là, t'es motivé à fond pour ma reine. C'est bon, voilà ce qu'il faut, quoi. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a une épidémie là, de mauvaise humeur, de négatif et tout. Ah, faut remédier à ça, quoi. Là, faut se réveiller, quoi. Donc, ok, pas de souci. Moi, c'est pareil. Hein, je suis à fond. Là, je suis à 200% là, pour ma reine. Tango 2, opérateur Stéphane, mon nom c'est Stéphane, j'habite dans le centre historique de la ville de Venise, dans le nord-est de l'Italie, bonjour. Et c'est qui m'a marché dessus, oui. Oui, je n'ai pas de soucis, je suis en train de faire pas très bien de mon côté, voilà, il y a notre station de journaux qui vont vous saluer, voilà. Donc je retourne le micro sur le Ludovic, vas-y, je vais essayer d'entendre. Bonjour, la station de Venise, ici 14 Oscar Delta Romeo 860, 14 Oscar Delta Romeo 860, sur la ville de Bordeaux, les bons 73-51, la ville de Venise. Vous arrivez avec un signal de 9 et de radio, une excellente radio de 5, voilà, retour. Ok, merci, bonjour aussi à toi, Bordeaux. Je n'ai compris le nom. Ok, mon nom c'est Stéphane. Hein. Je m'appelle Stéphane, j'habite dans le centre historique de Venise. Le signal ici c'est avec QSB 53-57. Pas de problème, hein, mais il y a beaucoup de QSB. Beaucoup de QSB, voilà. Ok, mon condition ici de travail c'est. Une radio KPO, Kilo Papa Oscar DX 5000. L'antenne, c'est un vertical 5/8 de construction italienne Sirio Game Master. Ok, à toi encore, Porto. S'il vous plaît, répétez les noms. Voilà, à toi. Ok, le prénom d'opérateur, c'est Ludovic Lima, Uniforme, Delta, Oscar, Victor, Lilia Charlie, Ludovic. L'indicatif, c'est 14 Oscar Delta Romeo 8 8 7 6 0 de négatif. Ok, Ludovic, ok, ça passe. Ok. Well, je te veux dire voilà, qu'aujourd'hui, nous avons une belle journée. Il y a le soleil, la température c'est de maintenant c'est 27 centigrades degrés. Ok. Excusez-moi. Le micro, alors, Henri, l'autre station française. Henri, je peux avancer pour Tango 2, Stéphane. Ok, l'opérateur, c'est Eric. Echo Romeo, il y a Charlie. Eric, voilà. Il y a une autre station qui est avec nous, là, qui est sur la
région de Bordeaux aussi, là. Ces opérateurs réunis, je ne sais pas si longtemps, sont autour du micro. Ah, tu m'étonnes. Du coup, j'irai enclencher la vidéo. 73-51 l'Italie de 14 Oscar Delta Romeo 002 opérateur Rémi. Oui, j'ai copié quelque chose, mais le signal c'est trop petit. Et maintenant c'est trop petit, il y a beaucoup de QSB. Ok, Eric et ok, Ludovic. Avancez. Eh oui, la position géographique n'est pas favorable du côté de l'Italie. Oui, notre station, c'est pas c'est l'opérateur Rémi. L'opérateur Rémi qui est sur le côté est de la région de Bordeaux, voilà. L'opérateur Rémi, indicatif local, 2033. C'est ça, c'est pas le. Ok, ça peut faire. Mais la propagation, c'est pas 100%. Hein, merci, Eric. Ok, merci pour le contact, le 73 pour toutes les stations, le culte. Je suis QSY, ici Tambo2 Stéphane, avec l'amitié, la bonne journée, le bon dimanche. Bonjour, Alice. Ok, pas de soucis, 73-51 Stéphane, merci du petit contact, voilà, et puis à côté du tour, voilà, retour sur le lit. De Bordeaux, voilà, merci pour le téléphone, c'est très sympathique, félicitations pour le français, c'est très bien, voilà, ça fait plaisir, et la peut-être une prochaine fréquence avec grand plaisir, voilà, je pense que de la soirée. Ouais, j'ai cru qu'on... Ouais, si, il m'a semblé comprendre que tu me retournais le micro. Ok, assez dommage, là, ce parasite que j'ai de mon côté. Car j'avais bien envie, là, qu'on parle un petit peu d'informatique, si ça t'aurait pas dérangé. Mais là, vu le QRM, je vais comprendre que dalle, quoi. Car, comme tu le sais, un nouveau PC portable est rentré, là, au QRA. Et c'est justement mon cadeau d'anniversaire. Je suis en train de chercher, en plus, quoi. Ah, chi. À la prochaine, alors, 73. Merci beaucoup, Tango 2, ce sont de Venise, au Sapaï, QSY. Bye bye, Stéphane, on dirait que l'Italie m'a mieux entendu, mais du coup, je croyais qu'il était parti, désolé. Tu m'étonnes, j'ai suivi tes conseils, hein. Hein, j'ai suivi tes conseils, la lettre, mais je me suis fait piéger par l'YL. On était en train de faire des courses, et puis bon, on avait fini, puis on se promène un peu dans les rayons, et on n'était pas loin du rayon multimédia, quand l'YL me dit comme ça, tu veux qu'on aille se promener là, du côté multimédia. J'ai dit, bon, j'ai besoin de rien de ça, mais si toi t'as envie d'y aller, ben pourquoi pas. Et elle me dit, ok, on y va. Et puis bon, je pose le caddie. Puis là, petit à petit, on se promène un peu. Puis plus ça va, plus ça allait. Puis on se rapprochait là, du côté des ordinateurs. Et là, je lui dis comme ça, bah tiens, justement, Ludovic, lui, il me conseillerait plus de prendre ce petit de matériel, quoi. Et ah putain, une chose à enchaîner une autre. Et du coup, on est reparti avec l'ordinateur sous le bras, quoi. C'est quoi, ça, alors, je vais chauffer. Alors c'est un Asus GL552 Victor Whisky trait d'union Delta Mike 098 Tango. Ce nom à rallonge. Donc c'est un PC Asus pour gamer. Voilà exactement. Donc autrement dit une bête de course en portable. Ouais, mais c'est quoi, i7, c'est quoi? Un quoi? J'ai pas compris. C'est un quoi? Un Pentium, c'est quoi le processeur? C'est quoi? Alors attends, faut que j'aille voir dans... c'est un 64, hein, 64 bits. Putain, ça fait beaucoup, moi, une seule, ça me suffit, moi. Ouais, 64 bits, oui, ça me dit pas ce que c'est. Oui, 64 bits, d'accord, mais...
avec le petit ainsi, c'est du nickel. Il y a marqué 17, 17, c'est quoi? Oui, oui, attends, le temps que j'arrive sur la page. Oui, oui, c'est un Intel. Intel Core i5 trait d'union 6300 HQ. C'est un 2 Go 30. J'ai 8 Go de mémoire RAM. Il y a je sais plus combien aussi de mémoire vidéo. C'est quand même assez costaud, hein. T'as chaque truc que j'ouvre et tout, putain, c'est tout juste, ça me pète pas la figure. Il est trop rapide pour moi. Ok, donc tu dois avoir une 9G, je sais. Ah ben, de toute façon, aujourd'hui, t'as plus que ça, hein. C'est obligatoirement Windows 10, hein. Ok, 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 c'est ça, parce que tu vas voir la différence, ça va changer, tu vas la retourner. Bah, disons, pour recoller les vidéos YouTube, ça va dégager, là, il y en aura pour à peine 5 minutes. Ben justement, toi, j'ai installé là tout à l'heure le logiciel vidéo là, de montage vidéo là-dessus. Donc, ben, on verra bien. Non, mais c'est sûr que là, un grand merci à toi, Ludovic, là, pour tes conseils. Je suis passé ben, du petit netbook Samsung, là avec écran de 10, à au notebook écran 15.1 ou 15.6, je sais plus, quelque chose comme ça. Quoi. Ouais, ok, c'est exactement le même que le mien. Voilà, c'est pareil, 5, pareil, 2 cartes vidéo, tu dois avoir aussi, 8 mégas de RAM, le moral, et ouais, c'est un Core i5, quoi. Moi, c'est un i5, mais ça monte jusqu'à. Alors là, par contre, ce qui m'embête un peu, c'est qu'il y a pas mal de sécurité dessus. Alors le disque dur, c'est un disque dur de 1 Tera. Hein. Donc j'ai partitionné la fin du disque pour y mettre Linux, là en parallèle, là en double boot. Mais le problème qui se passe, c'est pour mettre Grub là au début, là directement là sur le démarrage. Il y a tout un tas de sécurité là qui me bloque. Alors faut que j'arrive comment dans ces cas-là à mettre le boot directement sur carte mémoire ou clé USB. Pour contourner ça, quoi. Parce que là pour le moment je suis un petit peu embêté là-dessus, quoi. J'ai Linux qui est installé là sur la dernière partition, mais je peux pas booter dessus pour le moment. C'est un petit peu con l'affaire. Donc je suis en train de regarder là du côté du BIOS. Bon, il y a une sécurité que j'ai pu enlever qui m'a permis d'afficher là directement au démarrage les différents menus, quoi. Voilà, par la touche échappe. Et j'arrive pas à lui faire prendre en compte, par exemple, le lecteur de carte SD. Voilà, c'est. Enfin, j'arrive pas à trouver plutôt comment lui faire prendre en compte les lecteurs de carte SD. Là, pour pouvoir booter dessus, car justement, le boot, je l'ai mis dessus. Donc là, c'est. Enfin, bon, comme quoi, tu vois, là, je m'abuse bien pour le moment, quoi. Je vais tout se voir dans le petit déjeuner.
bienvenue pour la petite famille. Et puis, avec plaisir, donc, à la VCCA, il n'y a pas de problème. Allez, retour sur Ulysse. Ok, il m'a semblé comprendre que tu passes QRT, Ludovic. Ok, les 1351 à toi, merci de ton passage là sur le QSO. Bon, ce QSO, va falloir le rebooster là, va falloir le réveiller là. Et, parce que là si on continue comme ça, il va plus rien avoir là sur les 40 canaux. Car justement, le but de ce QSO, c'est de réveiller les 40 canaux. Hachi. Ok, Ludo, les 1351 à toi, bon dimanche. Ah, j'ai rien entendu de mon côté. Tu parlais, Rémi, il y avait du monde qui a essayé de te surmoduler, mais bon, c'est insuffisant. Ah d'accord, parce que là, bon, j'ai rien entendu. Hein. Ben forcément, si j'avais le micro en même temps, mais évidemment, on entend beaucoup moins bien. Quoi. Oui, bien sûr que ça va être sympa, tiens, pardi, tu m'étonnes. Non, moi c'est pareil, hein, j'attends ma raid avec impatience. Et puis comme chaque année, de toute façon, le Rêve 17 offre l'apéro. Et nous au stand, et bien, comme chaque année, on le fait également. Apéro sans alcool, évidemment, pour pouvoir reprendre la route plus facilement. J'ai pas compris. Hein. Pascal, son anniversaire aussi s'est rapproché là. C'est pas le jour du salon ou la veille du salon. Ben, à chaque fois il cache la date, ou il modifie la date à chaque fois sur son forum pour l'envoyer à Perpète. Du coup, je sais plus quoi. Mais oui, je crois que c'est dans cette période. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais, voilà, bon, Ludovic, les 1351 à toi, amuse-toi bien, bon dimanche. Ouais, tu m'étonnes que ça va me changer, quoi. Disons que j'avais pris le petit netbook par rapport au boulot, parce que bon, ça m'est plus facile de le cacher, là, de le caser, on va dire, au niveau du poste, ceci, cela. Bon, là, je passe carrément à la taille XL, avec un écran de 15.1 ou 15.6, je sais plus. Et c'est vrai que j'ai vu ça là vendredi, samedi déjà là au pro, il prend de la place. Hein. Mais bon, c'est sûr que là côté performance, là ça va être autre chose. Hein. Ouais, alors lui, je l'ai enclenché et j'ai désactivé, j'ai fait une recherche sur Internet sur toute la série de mouchards et tout ça. Comme le fameux nouveau outil de recherche dans Windows, tout ça, je l'ai désactivé, quoi. Ouais, mais une mise à jour importante, je vais te dire, de sécurité.
c'est ça que je voulais faire, hein. Parce que c'est ce qui te protège, hein. Alors, le truc de recherche là, de Windows 10, dont je ne sais plus son nom, il est désactivé, mais il me reste l'ancien outil de recherche. Ouais, mais c'est une mise à jour de sécurité qui peut souvent dire que ça se passe à moi. Et ça, c'est quand je veux dire que c'est une mise à jour de sécurité, les piratages. C'est une mise à jour importante de sécurité, ça, on n'a pas vu que maintenant, c'est une mise à jour. Ouais, mais comme là dernièrement, là, il a repris une grosse mise à jour, comme là l'appareil, là, les deux autres, le netbook comme le PC portable de l'YL, bah, pareil, là, ils sont en plein mise à jour. Je pense qu'après ça, je vais refaire à nouveau le tour là, de cette fameuse liste de mouchards et voir s'ils ne les ont pas réenclenchés, quoi. Ok, les 73-51 retournés, bon dimanche, encore merci. Les 73-51 également aux stations qui sont en stand-by derrière, soit sur les ondes, soit via le web SDR. Et bon dimanche à tous. Ok, 73-51 de la part de Dandy 33, 14 ODR 002, 14 Delta Romeo 33, fin des émissions, et merci.